Bonjour et bienvenue chez Lynx. Cette série de vidéos a pour but de vous familiariser avec l'environnement Lynx. Nous allons maintenant vous apprendre à utiliser la fonction OCA. Revenons à notre achat de 10 actions Peugeot réalisé tout à l'heure au prix de 17,99 €. Nous souhaitons par exemple y attacher un ordre de prise de profit. À 18,50 €. Et un ordre stop à 16 €. Lorsque vous rentrez un symbole dans la colonne OCA, notez que les deux lignes contenant le même symbole sont liés, ce qui signifie que si un des deux ordres est exécuté, l'autre est automatiquement annulé. Ici, si ce premier ordre est exécuté, celui-ci serait annulé. Et inversement, si le stop est touché, le take profit est annulé.